Monsieur Jerry est satisfait par sa Bride and Wedding, la deuxième édition intercontinentale. On se retient de extra content et ça nombre de personnes qui ne paraissaient pas pour le Bridal, Intercontinental Bridal and Wedding Show 2016. Il y a déjà un grand succès. Là, nous avons encore 6-7 ans pour aller. Je pensais qu'on doit trouver un client qui vient là. Je peux enjoy ce moment qu'il peut faire là. Et que le nombre de personnes qui peuvent jouer ici aujourd'hui, je trouve une vision mariage dans la tête. Et nous One Stop Shop, parce que pas organiser le mariage pour le commencement, ça finit sur réception, tout à fait. Une estimation, combien de monde visiter là pour assister le temps de la fermeture, comme tu peux dire tout à l'heure là? Et pour le matin, depuis maintenant là, un feedback qui me regarde de nous recevons plus que 700 personnes. Et nous peut espérer capable même plus que ça encore. Et nous peut espérer un début de personnes. Est-ce qu'il y a un premier contact, il y a un contrat qui est signé, comme on nous dit dans le jargon, il y a un contrat, il y a un mariage qui est déjà organisé là? Hier, nous comprenons 3 mariages déjà, et qui confirment les clients, un extra contact et qu'ils vont se réveiller des choses, et ils ont la confiance là. Vous découvrez des affaires vous-même, en tant que causateur, vous découvrez des nouvelles affaires dans le monde qui appelle l'événementiel, mais il y a devenu l'événementiel. Mais... Oui, définitivement. Parce que tous les jours, on a plein de nouvelles affaires. Et là, nous trouvons que Maurice développe très vite dans la direction du mariage. Quand nous causons mariage, c'est mariage dans le Mauritien qui peut intéresser le mariage devant l'hôtel. Et aussi dans le Mauritien qui est établi à l'extérieur, qui va venir dans un grand nombre pour satisfaire la famille mauritienne qui veut le mariage ici. Justement, Ben Mossé a été marié dans la salle. Donc, encore dans la salle, mais donc, marié dans le télé, un petit peu plus à la mode ou bien de retourner à la mode. Et moi, ce que je veux dire, c'est Mauricien est dans une grande vision. Je préfère faire un mariage open space. Et nous provoquons l'espace là. Nous avons une place pour faire un mariage de Island que vous connaissez. Et après, nous avons un grand joli beau room qui est là. On va faire le mariage ici. Et moi, je pense que Mauricien devait plus progresser devant le mariage en dehors que de pouvoir enjoy ce moment-là. Oui, c'est très bien passé. Les deux jours ont été très enrichissants, beaucoup de visiteurs. On ne s'attendait pas au salon local d'avoir autant de visiteurs. Mais non, ça a été très bien. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour, c'est le dernier jour. Et même ça, il y a des visiteurs qui continuent à arriver, à enfouir tout ça. Quelques voyages à organiser alors? Le mariage, organiser un mariage, c'est quelque chose de passionnant. C'est un rêve qu'on réalise nous aussi avec les clients. C'est très stressant parce qu'un groupe se repose sur nous pour réaliser le plus beau jour, le plus beau jour de leur vie. Mais néanmoins, on le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et c'est que du bonheur. Quel est le touch que vous donnez en plus? La petite touche de Get in Touch de toute l'équipe. Parce que sans l'équipe, Get in Touch n'existe pas. Et c'est toute l'équipe réunie ensemble qu'on donne satisfaction à 100% au futur. Merci. Plaisir. Très 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 satisfait. Et spécialement grand bravo aux organisateurs, Jerry Naina et Manav, les deux plus grands main person, comme on dit, acteurs principaux, c'est eux. Ben, ils ont fait quelque chose de très très grandiose et félicitations chapeau. Au niveau client, on a eu pas mal de pré-réservations, pas mal de inquiries aussi, ils ont demandé et un petit peu au niveau de mariage, date, conditions, prix, trajet. Et très satisfait. On compte aujourd'hui là, plus de personnes et par rapport à hier, c'est bien sûr c'est dimanche. Après le petit déjeuner, une petite balade à Balaclava. Allons, pourquoi pas allons. C'est ce que se fait là demain dimanche. Est-ce que là, comment on appelle ça, Maurice Carros Moriaz, il y a une évolution? Oui, vous avez une belle limousine là. Oui. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne très très bien parce que je dois dire fièrement que j'étais la première personne à faire venir cette limousine-là, Maurice, et depuis, ben, c'est promis. C'est-à-dire que je ne dirais pas qu'on a le marché pour nous. C'est-à-dire qu'on est là, les gens savent, on est là. Carrosse de mariage, point de sable, tout le monde, les gens François. Mais vous ne transportez pas que les mariés, parce que les stars aussi, les chanteurs, les chanteuses, les VVIP. Les politiciens, je ne dirais pas les noms, bien sûr. Les VVIP, les artistes, les
footballeurs connus, on a fait des tournages de films dedans, publicité, on a fait des choses grandioses. Voilà, comme je peux citer le milieu David Vendetta, Magic System, Boniem, ils ont tous roulé avec nous. Fièrement, on dit ça, on est content nous aussi. Et tournage de film Giovanni a été fait dedans, a été tourné dedans. Et encore d'autres, la liste est trop plus maintenant. Mais c'est un très bon créneau. Ça marche très bien et les gens se marient, c'est bien. Je ne connais pas les affaires de divorce, mais on a même fait des divorces dans la voiture. Quelqu'un avait pris la voiture pour son divorce parce qu'il voulait fêter son divorce, mais ça a été fait. Hein.